déjà 7 heures dans tout studio Télévision nationale d'Haïti, Delma 33. Bonjour Haïti, bonjour, bonsoir le monde. Nous comptons ensemble avec vous jeudi 15 mars là. Déjà dans le mois de mars là, qui presque allait. Déjà nous souhaitons passer un très bon jeudi sous Télévision nationale d'Haïti. Rapidement, mes grands points qui abdominent l'actualité, le président de la République, la Jovenel Moïse, recevoir hier mercredi dans le Palais national, le secrétaire général adjoint à l'opération médecin la paix, Jean-Pierre Lacroix. Dossier choléra avec redéfinition et statut minijus, tenant en discussion d'après sa ministre Affaires étrangères à Kitla, Antonio Rodriguez, fait connaître. Premier ministre pays, Dr. Jacques-Guy Lafontaine, remet à hier mercredi 900 chèques qui gagnent montant 20 000 gouttes par marchand qui victime dans 10 faits marché en fer et marché d'import. Chef gouvernement annonce création fonds garantie qui permet à marchand dans sa yo prêter l'argent à taux très, très bas qui permet de reprendre l'activité commerciale comme ça doit. Ministère des Travaux publics, Transport et Communication, dans tête collée à Banque mondiale, a organisé un atelier consultation sur contrat service pour petit réseau énergie en Haïti. Activité ça a rassemblé représentants diverses entreprises qui travaillent dans les affaires énergie par Boïsita. Et puis, à l'étranger, plusieurs milliers d'élèves américains quitter sa classe pour aller manifester dans la rue hier mercredi pour protester contre Zaman Kapsi qui est dans le pays États-Unis. Manifestants saillants demandent l'administration Trump-Lan pour les capables de prendre les mesures nécessaires pour capable contrôler les affaires Zaman, une façon pour capable éviter fusillade dans l'école. Ces points saillants à quelques noms pour nous capables de porter pour un journal là, n'importe qui ne peut pas se déplacer, n'a pas tourné. Merci pour fidélité et attention, nous retournons pour développement information. Et nous te disons dans grand titre, président de la République, la Jovenel Moïse, recevoir en audience dans le Palais national hier mercredi 14 mars, Jean-Pierre Lacroix, qui est secrétaire général adjoint dans l'opération Médecin la paix. Divers points étaient discutés dans la rencontre Silla qui déroulait en présence plusieurs autorités haïtiennes à cadre des Nations Unies et spécialement dossier choléra à redéfinition et statut minijust. Ministre des Affaires étrangères à Kitla, Antonio Rodriguez, a bien plus d'explications dans le micro Sabine Jean-Étienne et Jean-Naël Duvernay. Le président de la République, son excellent Jovenel Moïse, a reçu en audience au Palais national, M. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, qui est porteur d'un message du secrétaire général, M. Antonio Gutiérrez. L'audience s'est déroulée dans une atmosphère très cordiale. Le secrétaire général adjoint Lacroix a fait part au président de la République du message du secrétaire général Gutiérrez relatif à la nécessaire normalisation des relations entre Haïti et l'ONU suite aux rappels respectifs pour consultation du représentant permanent d'Haïti auprès de l'ONU, l'ambassadeur Denis Rogis, et de celle de la représentante spéciale du secrétaire général, Mme Suzanne D. Page. Pour sa part, le président a bien accueilli le message du secrétaire général tout en lui exprimant la position du gouvernement haïtien que la MINUJUST soit transformée en une mission de coopération technique d'appui à la justice en lieu et place d'une mission classique de maintien de la paix. Le chef de l'État a également mis en exergue la nécessité que l'ONU mette en œuvre le plan de l'élimination du choléra à deux volets, élimination du choléra et compensation des victimes, que le secrétaire général avait annoncé en août 2017. Par ailleurs, le président de la République a réitéré la nécessité que les projets et programmes des partenaires techniques et financiers soient alignés sur les priorités nationales conformément aux principes de Paris de 2005 concernant l'efficacité de l'aide publique au développement. Le président était accompagné du Premier ministre, ainsi que du ministre des Affaires étrangères et des Cultes, du ministre de la Planification et de la Coopération externe, du ministre de l'Intérieur et des Collectivités territoriales,
du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, du ministre de la Défense, du secrétaire d'État à la Sécurité publique, du représentant permanent d'Haïti auprès des Nations Unies, du directeur de cabinet, ainsi que de ses conseillers diplomatiques. Merci. Ministère Travaux publics, Transport et Communication, dans tête collée à Banque mondiale, a organisé un atelier consultation sur contrat service pour tirer réseau énergie en Haïti. Activité ça qui rassemble représentants diverses entreprises qui travaillent dans les affaires énergie par bon ici, c'est occasion pour directeur général de l'autorité nationale régulation secteur énergétique là, Evanson Calix, expliquer projet énergie renouvelable pour tout le monde et puis présenter modalité yon moun an doué respecter pour capable gagner licence pour produire agvana courant en Haïti. John Herbica Series à Clowor d'Ali Jean-Jacques a présenté nos 38. Projet énergie renouvelable pour tous là, c'est une initiative l'État haïtien pour faciliter plus moun gen courant la caillou à partir énergie ou ka jeune à travers soleil, vent et glo d'après directeur général autorité nationale régulation secteur énergétique là Evanson Calix. Ingénieur Calix qui t'a présenté projet à bail secteur privé a expliqué des marches ça visait encourager secteur privé à vin investir plus dans produit ak vann courant en Haïti. Tout le monde qui est intéressé produit, distribuer et puis vendre courant dans le pays a gain autorisation la mairie, ministère travaux publics et ANRC. Une fois que vous finissez un contrat haïtien par trois moun sa yo qui approuvé par autorité nationale régulation pays a pour énergie qui s'est ANRC, n'a passé à deuxième étape là qui c'est umbral bay développeur, c'est-à-dire le développeur yon licence provisoire. Cette licence dit son autorisation qui dit que telle compagnie autorisé à produire courant là, à distribuer courant là et à vendre courant. Nous dit que mon a bon licence dans même pas provisoire pendant 6 mois bien 1 an et demi au maximum pendant 1 an et après ça, il va avoir obligation pour commencer projet. S'il va commencer projet, il perd exclusivité, il y a bail avec l'autre monde. Il y a 35 millions de dollars américains qui est déjà disponible pour projet ça réaliser selon coordonnateur projet énergie renouvelable pour tous là Nicolas Alien. De ça fait la connaissance de présenter mon sans pour ce contrat ça qui les montre ça bien, des feedbacks pour voir si le processus est bon, est-ce que c'est vraiment applicable et puis voir ça me corriger pour que le contrat caca effectivement fait ça le meilleur faire. À travers projet ça, l'État haïtien visé mettait courant dans tout pays a selon ingénieur Evanson Calix. Premier ministre payant Dr Jacques Guilafontaine remet 900 chèques 20 000 gourdes par marchand victime dans 10 faits marchés en fait à marché du port pendant une cérémonie qui déroulait hier mercredi 14 mars 2018 là. Chef gouvernement annoncé dans occasion création fonds garanti qui permet à marchand yo prêter l'argent à un taux très bas qui permet de reprendre activité commerciale sans problème. Reportage Saint-Kwapaki à Rémi Godji. C'est en total 900 marchands qui bénéficient chèque 20 000 gourdes à qui ont quitté produits alimentaires. Objectif là, c'est accompagner marchands victimes du feu marché en fer et marché du poyo. Premier ministre Jacques Guilafontaine expliquait l'administration Maurice et le gouvernement Lafontaine prend engagement pour mettre disponible un prêt qui facilite les marchands saillants, jeunes agents à qui ont fait intérêt pour reprendre l'activité commerciale. Jean-président de la République t'a proposé, nous avons plusieurs étapes. Première étape, non, c'est ça créer les boucanets qui prétendent bouillir. C'est une étape qui pourrait aider nous passer un si mauvais moment. Parce que entre-temps, nous avons une obligation familiale, nous avons une obligation personnelle. Donc c'est comme ça, nous là après-midi hein, pour première étape. Non. Première étape, non, côté que chaque monde qui est identifié, il y a pour se voir. Un chèque de 20 000 gourdes. Et nous connaissons que Abgué un dernier groupe qui va recevoir chèque paille. Mais ça qui est plus important, et nous avons songé que le président de la République dans le dit, nous allons pencher nous au cas par cas. Nous connaissons que le problème est tellement en pile, nous ne pouvons pas attendre. Mais maintenant, de nous patience. Parce que entre-temps, nous-mêmes, nous avons travaillé pour nous. Nous commençons à analyser plusieurs cas de figure. Et cas de figure qui est beaucoup plus intéressant que nous avons exploré, c'est côté que nous prenons au cas par cas, où est-ce que nous sommes capables
assurer refinancement chaque grain de marchand. Très prochainement, n'est-ce pas vrai, n'a pas rencontré avec nous pour nous parler de modalités hein, et puis comme ça n'a pas ouvert porte accès à crédit ça pour nous-mêmes tout en ayant n'est-ce pas vrai support au gouvernement pour nous qu'à mettre fonds ça sous pied avec un taux d'intérêt qui est très 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 bas. Machin Sayo remercie le gouvernement pour moyen financement ça pendant yo mandé autorité concernée yo déblayer marché yo et puis permettre bénéficier crédit dans une date qui pas trop loin. Nous mandé déblayer marché pour yo ban nous marché pour nous faire business nous parce que c'est là nous prend point c'est là nous prend la banque nous doué à l'étranger les n'a acheté magasin ban nous crédit nous vini pour nous payer pour nous sembler moun nous pas de problème à premier ministre qui fait geste comme si gros fait qui va arriver, il pas voulait ban nous liquide non mais il ban nous chèque là. Nous prendre. Nous pas faire premier ministre là parce que c'est le chef l'état dans pays à premier ministre à président nous prendre. Mais faut premier ministre là qu'on est tout peuple ça yo brûler là qui a souffrir ça le dit l'affaire pour le faire plus vite pressé possible. C'est près qui intéresse nous mais pour nous avec un taux qui très bas qu'on a pour nous payer comme là-bas. Commission interministérielle qui travaille sous dossier marchand victime yo annoncé y a pas poursuivre avec processus recensement marchand yo dans marché en fait avec produit port n'a pas rappelé dans mois février passé a 200 marchand t'es déjà bénéficié un chèque 20000 goud yon démarche qui pas poursuivre d'après ministre affaires sociales qui travaille là Stéphanie Auguste. Nous prenons Kounia dans le Parlement haïtien sous Bissan dans Port-au-Prince. Président Chama député Gary Bodo fait connaître une commission spéciale enquête yo mette campé dans Chambas là qui pral gagner pour mission pour les capable faire lumière sur incident qui rivé dans Pédénal dans jour qui s'est passé. Décision ça prend pendant une séance plénière qui réalisée mardi 13 mars passé d'après ça président Chambas là fait connaître. Lieutenant Miko Richardson Jordan avec Moïse Ulbrich. Par rapport à l'ensemble des problèmes qui posaient dans le dernier jour, ça autour, par rapport avec ce qu'on est passé à Pédénales, côté gagné, yon travailleur haïtien qui a tué yon propriétaire terrien dominicain. Donc, nous, tout ça, ça baille comme remous et nous, on remonte en sorte de sentiment et nationalisme qui est très fort l'autre bord. Côté au Tébaï, c'est 24 heures de temps pour quitter l'autre bord. Donc, vous imaginez des gens qui sont des gens dans la société civile, là, c'est-à-dire des citoyens qui décident de dire yo bo 24 heures de temps, déclarer aux personnes non grata sur mon territoire. Nous connaissons ça, c'est un bagage qui est capable d'avoir une sorte de droit. On doit même qu'on l'état qui a gagné pour dire ou pas bienvenu sur mon territoire ou bien illégal sur mon territoire. À travers les services appropriés, mais ce n'est pas des citoyens qui vous disent qui est-ce qui peut évoluer sur un territoire, qui est-ce qui ne peut pas évoluer sur l'autre territoire. Je nous connais nous-mêmes, bon côté par nous avons des collaborations, nous avons des tuyaux, donc nous avons des discussions qui sont faites de manière informelle et nous avons informé le ministère des Affaires étrangères sur des dispositions qui vous prennent et nous avons des rapports pour nous. Mais bon côté par nous formons une commission spéciale qui supposait travailler sous dossier des deux côtés de la frontière d'une part et d'autre part tout garder tout qui ça qui bon dans relation deux pays yo pas oublier que peuple dominicain avec peuple haïtien yo condamné pour vivre ensemble donc bon ensemble de produits et locaux tout le monde qui vit sous frontière qu'on est donc c'est en République dominicaine yo acheté etc. Donc je dis à gagner des monde tout gagner des dominicains des citoyens dominicains tout qui c'est des commerçants qui très préoccupés par rapport avec situation ça qui a déroulé là c'est pas en situation peuple dominicain contre peuple haïtien mais son incident qui passait dans zone donnée et n'a profité tout et pour nous dénoncer une série de vidéos nous cap circuler sur les réseaux sociaux, des vidéos que moi déjà peut-être dans l'année 2005-2006, je ne me rappelle plus, mais c'est des vidéos que, qui m'ont mis l'impression de déjà vu. Donc des gens qui ont attisé, qui ont fait des comportements chicaniers pour mettre l'huile sous du feu. Député Michel Jacques Saint-Louis, Jean-Willier Jean, aka Tanis Tertius,
qui c'est trois dans députés qui fait partie commission spéciale enquête ça annoncé yo doit quitter Port-au-Prince jeudi 15 mars là pour un opéden là pour aller garder ça qui la cause situation si la terrible dans zone là. D'après ça, il fait connaître membre commission a gagner pour capable chita parler avec autorité de zone ça yo sous dossier. Toujours ami Richardson Jourdan avec Moïse Obrich. Sous la demande de plus d'une cinquantaine de députés, le bureau a été formé en commission spéciale d'enquête qui supposait aller en sapitre pour nous faire état des lieux autour d'incidents qui étaient opposés à la population pédernale à Haïtiens qui vivent pédernale. Nous avons l'intention de déplacer soit après-midi ou sinon demain matin très tôt pour nous faire état des lieux. Et m'a annoncé que la commission spéciale ça est composée des députés Jacques Saint-Louis, Tanis Tercérius, député Jean-Willier Jean, député Gladys Lundi, député Le Man Premier et député Woody Deville. Et c'est une commission d'enquête qui va gagner pour au moins nous comprendre et nous chita tout sur relations diplomatiques et c'est ça que fait me penser n'a bien pour nous informer le ministère des Affaires étrangères et permettre au moins nous ambassade d'Haïti en République dominicaine pour au moins nous et consulat tout consulat ici du côté de Balaona et pour permettre au moins travail nous pour faire son travail qui est totalement efficace et efficient. Nous pour essayer rencontrer autorités locales, magistrats, délégués, vice-délégués et puis responsable la police qui est dans la zone et Kazek qui est dans la zone. Et puis ensemble organisation qui dans zone tout nous pour essayer rencontrer nous pour essayer approfondir enquête là pour nous voir exactement qui ça qui cause et temps en temps gain bouleversement ça qui a fait dans zone là et nous non pays vraiment qui chargé avec problème à chaque fois que problème ça posé donc gouvernement en difficulté tout donc nous même en tant que responsable nous supposons aller sur place pour nous louer. D'après poursuivre avec information, le ministre de Tourisme et Industrie Créative, Colomba Emily Jessie Minos, présenté hier mercredi 14 mars dans une conférence pour la presse. Bilan. Participation à Haïti dans le salon touristique Berlin qui était faite en 67 pour arriver 11 mars passé. Foire mondiale ça a été réuni 180 000 visiteurs pour un chiffre d'affaires 7 milliards d'euros, 100 000 professionnels et 10 000 exposants. Ministre Colombe Émilie Jessie Minos a fait connaître c'était occasion pour capable vendre dans pays comme destination touristique. Ministre dit tout les rencontrer avec opérateur tour, agence voyage, magasin qui est spécialisé dans dossier touriste à quelques potentiels investisseurs. En nous souvenant extrait dans déclaration de Miko Falanda Delphine à Cloro Dali Jean-Jacques. Salon en quelque sorte c'est un coup son marché que lié. Dans le marché, ça, nous connaissons exactement ce qui s'est fait dans le marché. Dans le marché, moun vini exposer produits, moun vini exposer, ou vini vendre, ou vini vendre, ça y a gagné comme potentialité. Et bien, dans le langage touristique, là, tout, ça nous vient faire, c'est peut-être ça que nous relève le salon touristique. Donc, dans le salon, il y a près de 180 pays qui viennent présenter pays, qui viennent vendre, qui viennent montrer qui potentialité que pays a gagné, qui richesse que a gagné, et comment, qui type de touristes sont capables de faire la caillou. Nous avons rencontré tout opérateur, tout le monde qui était souhaité rencontrer, tout le monde qui était venu visiter tout, stand Haïti en tout. Donc nous avons fait un paquet de rencontres, pour nous avons toute opportunité qui gagne avec tout le monde qui était là, tout opérateur, tout le monde qui a vendu par exemple destination Haïti en côté que nous avons vu tout dans l'autre stand, tout opérateur qui a vendu et destination Caraïbes, qui ont même tout gagné Haïti tout là-dedans. Tout. Donc tout ça, ce sont des rencontres que nous avons fait tout. Dans le 8, je viens participer à un panel qui était assez intéressant, côté que qui t'a montré tout, les opportunités, les défis au niveau du secteur touristique pour les femmes entrepreneurs. Parce que pas oublier que le 8 août, c'était la journée internationale de la femme, côté que j'ai bon parlé tout, sur à faire tout défi à opportunité que nous-mêmes, en tant que haïtiennes, tout, que nous-mêmes nous faisons face à lui. Et après ça, j'ai suivi tout aussi d'un award show, qui c'est au même tout côté qui était des primes à des ministres du tourisme, au même tout qui étaient des femmes qui même qui étaient distinguées pour travail tout pour tout ça que ont fait.
Ambassadeur pays États-Unis accrédité par Boïsite fait un viréon dans la région nord pays pendant le commencement de la semaine. Michel Jana Sizon a profité animé une conférence sur relations amitié entre pays et Haïti. Conférence a été occasion pour diplomates américains de expliquer position pays dans quelques dossiers. En ce moment, APEPS Jean-Baptiste a dit non plus. Professeur, étudiant, professionnel dans divers secteurs, parlementaire, autorité locale, tout est présent dans l'auditorium Campus Saint-Christophe Limonadla. Dans l'occasion de la conférence ambassadeur Michel Sizon t'a présenté à sécurité, coopération, immigration, éducation, c'est parmi les thèmes qui étaient abordés pendant la conférence, qui étaient attirés à l'applaudissement assistance là. Diplomate américain a été profité, rappeler l'histoire qui m'a rendu le développement des pays. D'après le diplomate là, l'avenir des pays ça dépend l'un dans l'autre. Pour nous, de travailler pour cet état de droit, pour travailler pour la sécurité et la stabilité, cette sécurité et cette stabilité, ce sont des ingrédients très importants, des ingrédients essentiels, cruciaux pour attirer les investissements, pas uniquement de l'extérieur, mais aussi les investissements domestiques aussi, n'est-ce pas? Alors, sécurité, stabilité. Alors, mais vous avez touché à une question très intéressante. Évidemment, Haïti, c'est un État souverain. Séance question, il y a un moment pour assistance, là, demander lumière sur quelques dossiers qui intéressent vous. Coopération, immigration, c'est deux thèmes qui étaient cités plus. Madame Sizon rappelé détermination États-Unis pour continuer à supporter le développement dans le pays d'Haïti. Nous mettons beaucoup d'importance sur la bonne gestion de ces projets. Parce que c'est important pour nous. Ces projets reflètent la contribution du peuple américain. Ce sont les Américains, les contributions des impôts des citoyens américains par voie de l'USAID qui fournissent les fonds que nous, à l'ambassade, utilisons pour ces projets. Alors, c'est à nous de garantir, d'insister sur la bonne gestion de ces projets. Ce n'est pas uniquement une conversation entre le gouvernement des États-Unis et le gouvernement d'Haïti. Nous avons pas mal de projets, pas mal de collaborations, projets de collaboration, de coopération avec les ONG, avec des institutions académiques, avec des partenaires dans le secteur privé. Alors, ces projets sont créés avec cette collaboration bilatérale qui est très, très, très profonde. Ce n'est pas quelqu'un à Washington qui pense à un projet et on paye ce projet. Il y a tout un processus de discussion et de collaboration ici sur le terrain. Michel Jeanne Sizon rentre dans le pays d'Haïti comme ambassadeur dans la date 21 février 2018. Là. C'est la deuxième fois que Michel Sizon vient travailler dans la diplomatie dans le pays d'Haïti après l'expérience dans l'année 82. Membre de la Commission nationale pour l'innovation et l'insertion professionnelle jeune, organise un atelier de travail avec l'organisation jeune dans tout le pays. Aïe, mercredi 14 mars 2018. L'activité s'est faite dans l'idée pour chita parler avec plusieurs membres d'organisations géniaux, prendre les et puis faire recommandations pour porter bailleur président de la République, Jovenel Moïse. En nous suivant un reportage avec Dalina Dorival et puis Michel Joseph. Commission nationale pour l'innovation et l'insertion socio-professionnelle géniaux. Rencontrer diverses organisations géniaux qui sortent dans 10 départements géographiques pays ya, dans cadre d'un atelier de travail pour poser problème jeunesse là a fait face dans la société. Coordonnateur adjoint commission 1, Jean-Marie Théodate, rappelait l'importance géniaux gagnent dans la société. Pendant lui expliquer, une bataille commission 1 a mené, c'est empêcher géniaux quitter pays ya. Chaque jour, c'est par charter entier que géniaux a quitté pays ya pour aller au Chili, pour aller au Brésil, pour aller en Argentine. Pour aller dans l'autre pays. Et nous connaissons que généralement, les arrivés dans le pays, ils ne pas tout nés, nous pas dur. Et nous connaissons tout que les arrivés dans le pays, c'est mauvais traitement qu'ils rejoignent. Nous, tout simplement, constater que le pays, à travers Jeunio, est en détresse.
Genio mandé y a volé gaguet et alors que nous fin formé pour nous bailler en espoir et au final nous avons levé quitter nous c'est un coup nous t'a pratiqué une sorte de lave-main sué à terre et c'est difficulté ça que nous senti l'en provincial que nous senti à travers tout 13 pays et que nous t'a remis pour une solution pour lui. En pile jeune handicapé pas gain accès à opportunité travail en pile là-dedans yo pas suspend sibi discrimination. C'est ça qui explique la présence président de vision pour les handicapés en Haïti. Johanna, c'est tout. Avec jeunesse, jeunesse haïtienne qui a quitté le pays, il y a même qui manque d'encadrement, le fait qu'elle vive avec un handicap, ni dans la cause d'accessibilité, éducation, santé et puis opportunité d'emploi. Moi, je pense que ces problèmes qui ont fait face, ils ont fait rapport de ça, fait part de ça. Et avec l'atelier, ça, on est capable de dire un mot, toucher un mot pour eux et pour tout type de monde tout transsocial depuis ces jeunesse haïtienne dans mon passé. Président jeunesse Montant de Beaumont, salier Géfort, administration Moïse là, à gouvernement La Fontaine qui t'a décidé de mettre sous pied CNIJA. Dans la mesure où président décide de mettre commission sous place, je pense que c'est parce que lui, ouais, en quelque sorte, dans la jeunesse là, une opportunité qu'elle doit saisir. Et là encore, du fait qu'elle mette sous pied, c'est déjà un grand pas. Et nous encourager pour aller dans la même voie, ça, et justement pour le capable de nous tout. Et ensemble, nous allons aller. Parce que, j'en le dis, le pays n'a pas fait rien pour nous. Mais c'est ensemble pour nous qui s'en fait pour le pays. Et moi-même, je suis tête dans la logique. Ça, tout. Et nous féliciter le président de la République là, tout, qui a décidé de mettre la commission ça sous pied, justement, pour être capable de prendre en quelque sorte doléances géniaux. Parce que seul, nous ne pouvons pas aller en quel côté, mais ensemble, nous sommes capables d'aller loin. À travers l'atelier Travail ça, la Commission nationale pour l'innovation et l'insertion socio-professionnelle jeune témoigne volonté chef l'État pour poser problème jeunesse là à faire face et puis dégager solution pour faciliter l'intégration catégorie ça yo dans la société. Et c'est là, nous fermons un chapitre local, là, nous prenons aller à l'étranger, puis près la caille nous. Dans le pays États-Unis, puisque nous avons dit dans grand titre qu'il y a plusieurs milliers d'élèves qui quittent chez mes classes pour aller manifester dans la rue hier mercredi pour capable protester contre les armes qui ont circulé dans le pays États-Unis. On nous suivons le reportage à Euronews. Une marée jeune devant la Maison Blanche et des slogans hostiles à la toute-puissante NRA. Des dizaines de milliers d'élèves américains ont quitté les cours mercredi pour protester contre les armes à feu. Une première manifestation nationale pour exiger du président Trump des mesures pour prévenir de nouvelles tueries dans les écoles. Nous tournons le dos à ceux qui ne veulent pas nous défendre. Nous espérons que cela attirera leur attention et qu'ils commenceront à représenter ce pourquoi nous nous battons. Nous voulons une interdiction des dispositifs qui permettent de tirer en rafale, l'interdiction des armes d'assaut dans tous les États, que nos parlementaires cessent de toucher de l'argent de la NRA et surtout nous voulons que les vérifications d'antécédents soient renforcées pour qu'obtenir une arme devienne vraiment difficile. De New York à Los Angeles, de Chicago jusqu'à Houston, le mouvement se déclare opposé à toute législation qui viserait à fortifier les écoles avec davantage d'armes. Or, c'est justement la voie dans laquelle s'est engagé l'exécutif. Les propositions ne prévoient ni de bannir les fusils semi-automatiques, ni de relever de 18 à 21 ans l'âge légal d'achat de ces armes. En revanche, l'administration a promis de former au maniement des armes des enseignants volontaires et de renforcer la présence des policiers et gardes armés dans les écoles. Cette mobilisation avait aussi pour objectif de rendre hommage aux victimes de la fusillade dans un lycée de Floride. Plusieurs chaînes de télévision américaines ont arrêté leur programme en soutien au mouvement des lycéens. Dossier ce qui parle là provoqué un gros affrontement diplomatique dans le Conseil de sécurité des Nations Unies entre pays États-Unis et pays la Russie. L'ambassadeur américain dans l'ONU, Nikki Haley, mandé pour l'ONU en urgence en prendre mesure contre Moscou dans affaire Silla. L'affaire Skripal a donné lieu à un affrontement diplomatique majeur au Conseil de sécurité de l'ONU. L'ambassadrice américaine Nikki Haley a demandé au Conseil réuni en urgence de prendre des mesures concrètes et immédiates contre Moscou après ce que la Maison Blanche a qualifié d'attaque abominable. Les États-Unis se tiennent solidaires de leurs proches alliés, déclaré la Maison Blanche, qui s'est livrée à une attaque en règle de la Russie après des jours d'atermoiement.
Encore et encore, le Conseil ne cesse de dire qu'il s'oppose à l'utilisation d'armes chimiques en toutes circonstances. Aujourd'hui, l'un de ses membres est accusé d'avoir utilisé des armes chimiques sur le sol souverain d'un autre État membre. La crédibilité de ce Conseil ne survivra pas si nous ne parvenons pas à faire en sorte que la Russie rende des comptes. L'ambassadeur russe à l'ONU, Vassili Nebedia, a répété les dénégations de Moscou. La Russie n'a rien à voir avec l'empoisonnement de Sergueï Skripal, de sa fille et d'un policier britannique, et elle exige des preuves, a-t-il déclaré. Le Kremlin ne tardera pas à répondre aux sanctions britanniques prises hier, à savoir l'expulsion de 23 diplomates, la rupture de contacts bilatéraux de haut niveau et l'absence de représentation à la Coupe du monde de football en Russie. Toujours dans le dossier Skripal là, Moscou dénonce ça les relais, une provocation grossière pays Angleterre a fait sous lui. Pays la Russie démenti causé qui t'a fait comprendre, lui empoisonner ancien espion lui à toute petite fille. Moscou dit, il n'y a pas rien pour lui ouais, non, l'amour ça y est, ni de près, ni de loin. Et renonce pour plus de détails. La Russie dément catégoriquement être responsable de l'empoisonnement de l'ex-espion Sergueï Skripal et de sa fille victime d'un agent énervant militaire à Salisbury, dans le sud-ouest de l'Angleterre. L'ambassade de Russie à Londres a réagi aux mesures de rétorsion annoncées par la première ministre britannique. Nous pensons que les mesures qui sont prises par le gouvernement britannique n'ont rien à voir avec la situation que nous avons à Salisbury. Nous pensons qu'il s'agit d'une réelle et très sérieuse provocation. Et bien sûr, nous ne sommes pas prêts à parler pour répondre à des ultimatums. Moscou accuse Londres d'avoir fait le choix de la confrontation. La Russie a promis une riposte rapide sans en dévoiler la teneur. Une porte-parole de la diplomatie dénonce une campagne de propagande anti-russe. Si vous voulez comprendre tout ce qui se passe ces derniers jours, il s'agit certainement d'une propagande politique organisée par la Première ministre. Toute cette campagne a été construite à partir d'une provocation flagrante et grossière. L'arrivée moment pour nous capables de mettre un bout dans le journal là avant de nous aller, permettre que nous rappelions grand point qui domine l'actualité. Président République, là, Jovenel Moïse, en recevoir hier mercredi en audience dans le Palais National, secrétaire général adjoint à l'opération médecin La Paix, Jean-Pierre Lacroix. Dossier choléra et redéfinition estati ménéjus, tenamita discussion yo, d'après sa ministre Affaires étrangères Alkitla, Antonio Rodrigue, fait connaître. Premier ministre payant Dr. Jacques-Guy Lafontaine remet 900 chèques, 20 000 gouttes par marchand victime dans 10 faits dans le marché. Enfin, avec marché 10 points pendant une cérémonie qui déroulait hier mercredi. Chef gouvernement annonce la création d'un fonds garanti qui permet marchand de prêter l'argent à un taux très bas, qui permet de reprendre l'activité commerciale comme ça doit. Ministère Travaux Publics, Transport et Communication en tête collée avec Banque Mondiale a organisé un atelier consultation sur contrat service pour tirer réseau énergie en Haïti. Activité ça rassemble représentants diverses entreprises qui travaillent dans les affaires énergie par Boïsite. Plusieurs milliers d'élèves américains manifestés hier mercredi 14 mars là dans la rue pour protester contre Zama Cap circulé dans pays États-Unis. Manifestants ont demandé pour administration Trump-Lan prendre des mesures à clair pour capable contrôler les affaires Zama pour éviter fusillade dans l'école. Nous te content ensemble avec vous pour être capable informer d'ici la nation passer un très bon jeudi sur le territoire national d'Haïti.